Olivier de Kersauson aux prises avec une grave maladie, la vérité sur son état. Alors qu'ici Paris affirmait Olivier de Kersauson aux prises avec une très grave maladie dont la nature n'avait pas été précisée, celui-ci vient d'y répondre à sa manière. En décembre dernier, le magazine Ici Paris affirmait le célèbre navigateur gravement malade. Aucune précision n'a été livrée sur le mal dont est-il supposé souffrir. Olivier de Kersauson aurait par ailleurs eu du mal à surmonter les disparitions de plusieurs membres de sa famille dont sa grande sœur, Kat, foudroyée par un cancer, ou encore de son frère, Yves, qui a été longtemps commandant de la direction du renseignement des forces de l'armée française. Il a été emporté à l'âge de 69 ans des suites d'une crise cardiaque. Mais ce 28 février, sur le plateau des Grosses Têtes, le rendez-vous de Laurent Ruquier sur RTL, Olivier de Kersauson affichait une forme olympique, et a d'ailleurs confirmé qu'il n'a rien perdu de sa verve en moquant Sophie d'avant. Il est loin d'être malade. J'ai regardé Affaire conclue à cause de Sophie, un morceau de lumière. Confie-t-il dans un premier temps avant de déparer sérieusement. Une blondeur charmante, perdue dans les marchands, tous les vieux qui vendent des meubles qu'ils n'ont pas osé vendre tant que maman était vivante. Le mec il a enlevé les 4 kilos de poussière et il arrive avec un vase dans lequel j'interdirai à mon chien de qui erre dedans tellement il est crado.